Et salut à Bah tous, on se salut. retrouve pour l'épisode 74 de la Haute-Savoie. Ça va ou bien? Savoie, Ça voit ou Savoie. pas? Non, ça voit pas. Quand Oh il là. fait chaud, quand il fait froid. Voilà, donc une référence pour les plus de 30 ans. Ah, clairement, hein. Et ça C'est fait un peu tellement mal, ça. ça fait un peu mal de le dire comme ça quand même. Bon, du coup, Comment ça, c'est toi qui joues en premier, là? parce que c'est moi Parce qui que joue en c'est lui premier. qui a le plus de charisme. Parce que c'est lui qui, dans le turn order, est le plus haut. C'est le Non, normalement principe c'est du jeu. La Dex. Bah alors, il a pu le Peut-être faire parce parce que. qu'il a relan critique. Non, peut-être que. C'est moi qui ai lancé le Le dialogue. dialogue. Là, je me demande bien combien j'ai roll sur mon initiative, hein, parce que clairement. Bah On t'as peut le. le compare ou pas? Non, on n'a pas le journal là. Bon. Il est pas sauvegardé de toute façon. Sanctuaire, sanctuaire, mais ils sont tous sur sanctuaire, donc je sais pas faire grand-chose. Non, Ah, il y c'est vrai, j'ai a. ça aussi, moi, j'ai sanctuaire, Elle incroyable. qui est pas sanctuaire. Mais c'est pas un ennemi. De quoi? Non, mais j'ai cru que t'avais ciblé un PNJ au milieu, j'étais là, mais c'est pas un ennemi, ça. Ce que je vais faire, c'est ça. Comme Ah, ça va j'imagine bien, courir, ouais. sauter. Mais c'est ça. Ah, en soi, ce sont des banquiers. Ne sont-ils pas l'ennemi du peuple? Bah, comme on dit, Vous voulez on pas sauter? dit. Allez. Après, il faut savoir que ceux qui sont en... Comment dire? En sanctuaire, les AOE les touchent quand même. Non, mais bah C'est oui. ce qui les vise, eux, que ça ne marche pas, mais... Bien joué, ça. Sinon, T'as tu fait te un seras fait regard de stun. travers. Oh putain, j'ai cru que c'était moi. Bah, Alors, c'est à donc, toi de c'était... jouer. Eh ben, c'est lui qui va aller prendre la sauce, hein. Y en a un qui est pas en sanctuaire, qui est juste à côté de toi, la faucheuse de Balonia. Bah, soit je lui marave la gueule à elle, soit je vais L'autre, il a marave... 100 PV, va tuer l'autre. Je me fais celui qui a 60 PV qui est à Ok, côté de moi. ça marche. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Va taper là-bas, là. Tu fais plus mal que moi. Non, pas, j'ai vu Ouais, l'épée du nain, j'ai toujours du mal à m'imaginer où est-ce qu'il la range. Ah bah, on a des muscles fessiers, bah faut être très développé dans la famille. Voilà. Bah, le vrai problème, surtout, c'est que l'épée est plus grande que toi, quoi. Ah ouais. Ah non! Il est Ils sont instoppable! inarrêtables, oh non! Ah, ça c'est embêtant. Ça fait quoi inarrêtable? Réduit les dégâts subis. Ah ouais, d'accord. Comment t'avoir envoyé là-bas, tu vois? Tu avais pas vu qu'il avait ça? Comme elle a fait plus de dégâts que toi, oh là là. Oui, mais l'autre elle est pas instoppable. Voilà, l'autre il aurait été. Bon. Bonjour Michel. Bonjour Alors. Michel. Tiens, cadeau. Ensuite, maintenant Oh, que je ça me c'est suis fait fait. pas d'amis. Bon, il reste Ah 4 non, il a PV. que. Tiens, on va faire ça comme ça va faire des dommages à son pote. Ah, bah, j'ai fait des dommages au mec en jaune aussi. Désolé, c'était pas fait pour. Hein. Ça l'a pas tué! Bon, vas-y, tu souffles. Voilà. Bon. Et ça a fait zéro dégâts hein, ce que t'as fait. Hein. Bah, Ah je ouais. sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Bon, c'est pas grave, en vrai, je m'en bats les couilles. Pourquoi je viens de dire que le sang me suivait partout? Faut bien comprendre ça. Toi t'es déjà prone. Tu veux y aller un petit coup? Ils ont des... Non. Ils sont vulnérables, il a rien du tout. Oh ta gueule alors. Oh, 29 de dégâts, allez. Oh non! Oh le bâtard! Bah, T'as bâtard? normalement, si je me retourne, il me lance Tu des es cailloux. shuriken dans la mouille. Alors, je crois plus que c'est des couteaux, mais. Des cailloux, Bon, c'est des bien. trucs pointus, quoi. J'ai T'as cru bloqué qu'il ta est... pote. Ah, mais J'ai c'est cru jet qu'il de allait déverrouiller sauvegarde! le coffre. Combien j'ai fait d'ailleurs? Non, mais enlève lui plus de charges d'inarrêtable. Oh là Ah, là. c'est pas marqué! Quelle tristesse. On a un truc qui Ah, s'appelle invocatrice de balles, ça donne pas envie. C'est l'après Arda là? Ouais. Ouais. Je regarde ce que j'ai comme possibilité.
C'est j'ai un seul gars que je peux viser, il est inarrêtable deux fois. Bah ça veut dire que tu vas lui faire Ah ouais, un petit missile magique. Ah, c'est une idée. Mais tu lui fais piu piu piu. Ça t'apprendra. Par contre, j'espère que l'autre courge qui est par terre à mes pieds là, il va pas reprendre de l'inarrêtable parce que sinon ça va me. Ça va être très long. Lenteur, oh, je t'en fous. Oh. Eh. Ça, en plus, ah ouais, les PNJ, bah les couilles. Bah ouais. Ça a duré longtemps son lanceur. Oh, ce manque d'utilité du spell. Bah. Ah bah tiens, allez, let's go, ça c'est bah, fait. Bah l'avocatrice elle est plus là, hein. Elle va pas invoquer grand chose. Hein. Voilà. Je crois qu'elle a fait. Elle a fait prout. Hein. Bon, elle est partie par là. Elle repassera par là. Bah normalement je suis censé les détecter. Ou à moins qu'ils aient. Ah bah c'est un jet que tu fais, je crois, pour le. Ouais, ils sont cachés donc t'as. Coucou. Après bon, il va ressortir et il va. Tu sais quoi? Je pense qu'il va. Mon avis, aussi. Ouais. On va faire une. On va voir. J'ai tenté un random. Pour moi, t'as bloqué un passage. Excusez-moi. Il est pas là. Je peux vous dire qu'il est spécifiquement pas là. Ah non. Hein. Ah non, bah super, mais super, elle est trop bien, vas-y, allez, je vais aller sucer les cailloux moi. Ah, pour un nain, c'est plutôt une bonne chose. Ah, c'est pour ça que je dis ça. Yes, let's go, putain, ça me saoule. Eh, le tupin, j'en ai besoin, hein. Je sais plus quel combat j'avais si, passé, quand tout le combat étourdi. Non, mais toi, tu peux pas jouer là, donc. Ouais. Ah, oh, détection de présence, bien joué ça. Mais va pas dans ma fin d'adar, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon. Toi t'es. Ensuite, normalement, notre superbe Warlock nous a balancé un truc pour pouvoir faire ça. Incroyable. C'est précisément pour ça que je l'ai fait. Quelque chose me dit que j'étais bien avisé de le faire. Oui, je veux bien avantage. Mais d'où un monk capture l'âme. Le monk il capture l'âme et le Warlock il me fait sur folle. Il y a un problème. On s'est gouré là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, et j'en ai quand même mis un dans la fin d'Adar. Hein. Ah ouais, ouais il quand reste tu regardes des morts quelque part ou pas. Quand tu regardes le turn order, le deuxième après. Il y en a qui est aveuglé, ouais. Et aveuglé, ah, mais ils sont tous les deux vers toi en fait. Ils sont tous les deux là-bas. Oh, c'est beau. Non mais. Ce qui est bien, c'est que le gars, il était dans la fin d'Adar, mais il a quand même réussi à lancer un coutal, quoi. Ouais. Mais là, il y est plus. Mais il est invisible. Bah, je vais annuler ma fin d'Adar, je pense. Est-ce que je peux le faire maintenant? Je pense que oui. Ouais. Parce que ça sert à rien de faire des dégâts au garde-coffre et l'autre façon. Comment ça, jouer, possibilité de déplacement insuffisante? Qu'est-ce qui m'a fait? Ah, ça c'est bon. Non, pourquoi est-ce que ça me met ça? Il m'a fait un truc. T'as pas touché, non? Non, j'ai pas l'impression. C'est quoi le troisième truc que t'as? Acuité arcanique, non, t'as rien. Bah après, tu peux peut-être juste. Mais pourquoi tu pourrais pas te déplacer? En fait, ça m'indiquait sur l'image que je pouvais pas. Après, c'est peut-être l'endroit que t'avais ciblé qui était jugé trop loin. Non, c'est parce que j'ai la caméra qui est derrière le portail de mes. Voilà. Ah oui. Alors, le faucheur de balles, est-ce qu'il a une faiblesse quelconque? Il a pas de résistance, il a pas de faiblesse. Oh, c'est un humain. Ils ont rien, c'est triste. Enfin, un humain. Un vulgaire humain. C'est ça, quoi. Flaky. Oh! Paf! Il est tombé par terre, les pieds dans le feu. C'est la faute à. Pas de chance.
Putain, mais la tafiote quoi. Flou plus. Plus une potion quoi. Ça, il est sûr de. On le voit pas quoi. Vas-y, gambade. Gambade, y'a un mec par terre à buter. Ouais, où ça? Là. Près de Katox. Ah bah alors ça va être marrant parce que je crois qu'il est trop loin. Un petit jump. Attends, ah non, je vais lui faire une attaque. Une attaque chargée là. Je freine. Bien joué. Ah ça c'est fait. Ouais, et après, ouais, et voilà, t'as failli mort, tu peux sauter aussi. Ouais, mais je sais pas si je vais avoir la distance pour. Non, mais si tu bouges le chantelier, ça passe, non? Non, je peux pas parce que j'ai utilisé mon action bonus qui était la charge. Ah merde. Oh, ce que tu viens de lui mettre. Mais je peux peut-être tirer sur. Ah bah super, le chemin est interrompu. Ouais, il est caché derrière un pilier. Ouais, déjà, on peut dire que je l'ai trouvé. Ah, bien joué. Ah, je vais tirer dans l'orteil, le gros doigt de pied là. Ah bah, ça fait super mal. Ça lui a été fatal. Ah bah, y'en avait un qui était en furtif qui ne s'était pas déclaré. Effectivement en combat. Tu tapes dans le vide là En fait, je pensais me soigner, mais du coup, rip. Mais non, ce que je t'ai dit, il y en a. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Ah, t'as essayé d'attaquer un livre. Il a sanctuaire en plus. Ah non, je suis trop loin. Ah, il a sanctuaire. Oh, bah oui, il va pas me dire qu'il a pas eu le temps de jouer avec les deux derniers tours. En fait, le mec il revient d'avoir été pissé. Excusez-moi. Ah merde. C'est dommage. Hein. Dans mon souvenir, il y en a un deuxième aussi qui est caché de l'autre côté. Comme je peux rien faire. Comment t'as explosé? Ah mais c'est vrai, c'est ton sang de mort là. Invisible. Est-ce que je suis en train de dire qu'est-ce que t'as fait pour péter? C'est mon sang. Ah, c'est le sang de Seymour. Il est explosif. La calotte de Seymour, Jibou. Eh le Jean! Le Jean! Eh hey, coucou. Alors monsieur, il s'est jamais de mourir. Et paf! Joué. Oh, il y a tellement de coffres. Bah, mon problème, c'est que j'ai l'impression que ces gens, c'est pas les gardes du coffre là. Si, c'est pas grave, on a déjà tué tous les autres. C'est là aussi. C'est vrai. On a qu'à dire que les gens de Bâle étaient venus avant et que ça, ils ont tout tué avant, au-dessus. Oh là là là. Après, les cadenas, ils sont pas rouges, hein, donc. C'est vrai que. J'ai fait un jet de perception. J'ai réussi de la perception, moi. Bon, écoute, je crochette un coffre, on va voir ce qui se passe. Putain, faut faire 30. Wow, vous êtes dur en affaire. Hein. Vous avez pas des clés des coffres? Non, c'est verrouillé, ça en tout cas. Ah bah, toi, pourquoi toi c'est ouvert? Vas-y, tricheur. Je tente. Putain, faut faire 30 quoi. Après, peut-être qu'il y a moyen de le crocheter à. Il y aura une dernière chambre forte ici. Ah bah il y en a là aussi hein. Non mais vas-y, 30 quoi, c'est si compliqué à faire à chaque fois. Là. Moi je teste les coffres hein, où on avait fait. Allez, let's go, hop là. Oh, il y a une cape. Ah. Ouais, de domination de personne. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, une cape pour dominer des gens? Ouais. Moi, je peux là y'a un truc. J'ai récupéré des clés dans les bureaux en bois si ça intéresse. Il hein. Y a un. Il y a un collier. Hein? Allez, c'est vrai. Comment? Il y en a encore un qui. Ah, mais c'est parce que moi j'avais pas l'œil qui voit tout. Il est où? Mais bah pourquoi, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas. Enfin, ils se révèlent quand ces cons là? Bah, vu qu'ils sont invisibles, il faut que tu. Incroyable! Un trident! Putain. Oh. Et moi j'ai récupéré un colis qui file un spell slot level 2 en plus. Des milliers de codes. Bon, tiens, vas-y. Voilà. Ouais, vas-y, on voit. Hop, je t'envoie le collier en dents d'ours de l'arrière-plan grand-oncle de Gamdor. Bon, il est littéralement juste en face de la garde-coffre. Ouais, mais moi si j'ai pas de cible, je peux pas le. Je peux pas le taper. J'ai pas de cible, je peux faire une AOE. Bah, fais une AOE. Tu me diras si je te laisse faire une AOE et qui touche là quoi, à ma vie. Je te laisse et je vais essayer de. Allez là, c'est bon là. Voilà. Hop là. Voilà, c'est fait. 32.
petite fireball là comme as. Heureusement qu'elle est pas. Heureusement qu'elle est pas rancunière la bonne femme. Merde. Hop là. Donc on avait ça, on avait la cape de la domination de la personne. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de dominer des gens avec une cape? Ah ouais, tu veux un peu... Pourquoi j'arrive pas à atteindre le bureau en bois? Tiens, je te laisserai dominer les gens. Ouais, moi non plus. Ah, j'ai une arbalète utilisée contre les morts vivants. L'arme, elle fait un dégât de plus aux dégâts. Ça intéresse quelqu'un, une arbalète qui fait encore plus mal? Moi ça va, j'ai un arc qui me donne hot. Une arbalète qui fait plus mal? Attends. Ah mais c'est une arbalète lourde. Ah bah non. Moi je fais des arbalètes de poing. Moi j'ai une arbalète légère plus 1 déjà. Eh, il va peut-être falloir que je me rachète des outils de voleur. Hein. Oui mais on en a déjà parlé il y a un petit moment ça. Ouais mais j'en ai retrouvé 30 dans un coffre mais... Mais bientôt tu vas plus en avoir. Bah là j'en ai plus que 16, enfin 15. C'est compliqué d'ouvrir ces coffres. J'ai récupéré plein de clés, elles te servent pas? Quand ça, là, à l'instant là. Ouais, j'ai, en fouillant les bureaux, j'ai... Non, c'est du quai de déchargement, c'est plus quoi. Non, ça... Caisse vide, caisse vide. Le super coffre, ici, il a été... Ah, ouais, non, là. Et on n'a pas la clé, dans celui-là? Je vérifie. Ah! Non. Ah bah, je vais les garder, ces gants, ils sont bien. Non, c'est verrouillé. Qu'est-ce que c'est? Cube en bois, des jouets, des machins, on s'en fout. Ah, j'ai cru qu'il y a dire autre chose. Qu'est-ce que vous transformez en un cube? Ah non, ouais je viens de trouver des gants plus un en escalade. Ah non, mais attendez. Knuckle, ouais, tu peux péter. Ah ouais, mais c'est des trucs qui sont pas verrouillés magiquement, je crois. C'est pas grave, si tu pètes un verrou tout court en fait. C'est surtout une serrure normale que t'enlèves. Mais ça me donne plus un à escamotage, c'est déjà ça. Mais ma cape actuelle, elle me fait plus 1 de classe d'armure et plus 1 de jet de sauvegarde. 34. Ah oui, non, mais ta cape, elle est ultra bien, toi. Ah ouais, ouais. Ah tiens, Katox, je crois que c'est un chapeau pour toi, ça. Par contre, pourquoi tu ressembles à un con Ah non, à un tiflin, pardon. Bah, un con, ouais, ça va, oh, on se calme. Bah, j'ai besoin de... C'est-à-dire que autant d'habitude... Ah oui, je me rappelle. Autant d'habitude, j'ai pas trop besoin, mais là, je t'avoue, tous les coffres, ils sont à 30, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Hein. Ouais, je souviens, t'inquiète pas, je souviens, les mémos... J'ai enlevé tous les anneaux, j'ai enlevé tout, là. C'est quoi le super coffre? C'est celui-ci, là? Ouais, c'est dans le fond. Et t'as récupéré quoi d'intéressant dans les coffres, toi, là? Qu'on soit clair, pas grand-chose, en vrai. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression, hein, dans ton sac, je vois pas de trucs... Non, mais en fait, j'ai rien gardé, je vous ai tout envoyé les trucs à chaque fois. Ah, ouais... Y'avait pas grand-chose de passionnant, c'est quoi ça? Ah oui, ouais, super, tu m'as envoyé des cubes pour enfants, tu veux que j'apprenne à lire, en fait, c'est ça? Confère le message plus 2 au jet de vie. Moi, j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. Non, mais en gros, c'est plus... Y'avait genre... comment ça s'appelle? Bon. C'était pas fou, en vrai. Bon bah tout ça pour ça, j'ai encore l'impression qu'on a été plus vite que ce qu'on nous a demandé de faire et qu'on va encore se retrouver. Bon je vais parler au nain parce qu'en fait on l'a sauvé, peut-être qu'il y a des trucs à dire. Et le Billy, vous l'avez déjà loué. Ah il y a des coffres ici. Ah c'est déjà fait. Ouais je t'ai pas attendu. Ça va dis donc là c'est quoi cette hein. Le nain, where is the nain? Ah il est là. Il est derrière son bureau là. On lui parle? Enfin, ouais, attends, je vais lui parler, mais... T'as l'air lourd. T'as l'air pesant. Y avait que des coffres dans cette pièce, hein, on est d'accord? Attends, je te prends des objets parce que j'ai l'impression que tu te traînes le cul. Mais c'est cool, j'ai trouvé des gants maintenant pour avoir encore plus d'escamotage, là. Ah, le bordel dans l'inventaire de Katox, ça fait mal à la tête à rien que de le regarder. Je suis venu ici pour vous arrêter et sauver Minsk, on dirait que c'était pas nécessaire. Je suis consultant en matière de sécurité, croyez-moi, c'est le vassal des coffres, laisse vraiment à désirer. J'aime bien. Ah, 11 diamants. J'ai pris des trucs de merde qui pesaient dans ton sac. C'est vraiment leur coffre et on vient de tout vider et devant eux ils s'en battaient les couilles quoi. Not for us, you understand.
for the common Baldurian. Who knows what he's planning to do with it? Try all of it? Every penny of civilian lodgings, anyway. I mean, not like we'd lead him into the private vaults, but still. A lot of Baldurians waking up poor tomorrow. What he can do with that kind of coin? Oh, doesn't bear thinking about. Compassion for your fellow folk? Or maybe just good sense? That much money only paints a target on your back. In our hands, it keeps the city ticking over. Stock in merchant stalls, food in hungry bellies. Retrieve the coin, and I'll make sure you are well rewarded. There's treasures greater than gold. Feel free to poke around this place and it'll help you pick up the Stone Lord's scent. Me, I've got ledgers to amend. C'est pour ça qu'ils t'ont pas arrêté, c'est parce qu'on était en train de fouiller pour trouver des preuves que le Stone Lord s'était barré quelque part. Tu vois, c'était pas du vol qu'on faisait, c'était juste de l'investigation. C'est ça. Ouais. C'était des preuves, des pièces à conviction. Ça c'est sûr que c'était des pièces. Et on les a récoltées. Il y en avait des pièces. Voilà, c'est juste qu'on fait notre métier, nous. On est professionnels, voilà. Par contre, il a parlé de coffre privé, c'est où? Bah, c'est peut-être les deux pièces qu'on a fait avant de venir ici. Vous avez fait tous les bureaux en bois? Oui. Je vois que ça peut... Non. Attends, pourquoi... voici les pièces qui ont été prises. Pourquoi celui-ci, on peut pas cliquer dessus? Oh, you're serious. Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Attends, on a l'impression qu'il est constipé le mec quand il parle. Ah, ils ont fixé le bug. Quelle tristesse. Quel bug? Bah tu sais, je pouvais... Ah, tu me diras, attends, je vais tester avec cette chaise. Ah non, c'est pas fixé, j'ai rien dit. Allez, let's go. Allez, succès critique. Aye. The head banker was beaten to death by a mob. On the rumor she'd taken a cut from the robbers. You wouldn't stoop to spreading rumors now. Would you? Comme il est tellement pas sûr. I've got some debts with other guild kingpins. I can cover maybe half of what's lost. But I need something back. Understand? Mais on a filé la thune. J'ai rien donné. J'ai juste fait en sorte que si on veut lui rendre des sous, on lui rendra moitié moins. T'es en train de me dire que l'argent, les économies des péons de Baldur, ça fait 10 KPO. Ouais. C'est pas comme si on avait 4 fois plus que toute la ville réunie. Pfff. Oh, les sondos. Bon, allez. Sinon, pour clôturer la quête, fais-lui les 5000 et puis basta. Et après, je le tue et puis voilà. Ouais, non, mais. On récupérera probablement la thune. Ouais, c'est la suite de la quête, non? Ouais. Du coup, on a tout vidé, c'est bon? Presque. Rapporter presque. L'or volé à Rakat, tu vois, c'est là. Hein. Je suis en train de casser des bancs, là. Je peux pas tout faire. Et y a pas de... On peut déjà clôturer leur volé, enfin, je sais pas. Ou alors on devra se taper tout le travail de retour. Ok, bon. Ça c'est fait. Bon, qu'est-ce qu'on va du coup? Mais... rapporter l'or volé à machin. Ouais, bah tu peux lui parler et lui dire, voilà, en fait, quoi... Il a besoin de 5000 pièces d'or pour dire qu'on lui a volé 5000 pièces d'or. Tu lui donnes et puis... Il est caché où le nain en question? Parce que s'il y a que ça, je lui refile. Hein, comme ça. Mais c'est le mec au milieu, après je le vole et puis on n'en parle plus. Mais ouais, je sais pas si tu pourras le voler, mais bon, ce que je dis, hein, à mon avis... Bah attends, ça va être très simple. Il y a marqué vol à la tire quand je passe ma souris dessus que je suis caché. Hein. Attends, voilà. D'abord on termine le truc, ensuite je sauvegarde et après ce que tu veux. Voilà, c'est ça, faisons comme ça. C'est une bonne idée. And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. C'est escamotage, hein, le vol à la tire. Take this vault key.
You'll find something by way of thanks inside. Tiens, les coffres, on a déjà tout vidé. Bah si, c'est ça, le gros méga coffre, bah en fait... On peut sauvegarder du coup. Et le pire c'est... J'ai la clé. Le pire c'est que il a... On a payé 5000 mais il nous a reversé 2000, presque 2700 en récompense. Bon, au bout d'un moment... Alors, t'as sauvegardé ? Ouais, sauvegardé. Oui. Bon bah, c'est bon, hein. Sérieux, t'as récupéré les thunes ? Ouais, ouais. Ah oui, je viens de lui voler 5. Bah, après, j'ai envie de te dire que là, en escamotage, je sais pas combien j'ai, mais bah, j'ai plus 12, j'ai plus 21 en discrétion, autant te dire que je suis la nuit. Putain, il nous... Non, non, mais il s'est fait voler, il va venir nous parler. Moi, je me casse. Bah, je me TP. Hop, je suis au temple de balle. Je sais pas pourquoi, mais au moins, on m'emmerdera pas. Ah ouais, je me suis barré de la counting house, là. Hop. C'est vrai que ce TP, c'était la bonne idée, quand même. Hop là, je suis à la porte du basilic. J'arrive, hop. Moi, je me suis mis mur central de la ville basse. Bon bah c'est bon, hein. une quête rondement menée. Hein. Ouais. Laissez-moi. Alors, on aura sauvé la ville de Baldur, c'est faux. Du coup je peux remettre tout mon attirail. Hop. Ville de Baldur. Où est-ce qu'on va maintenant? Où est-ce qu'il nous reste des quêtes? T'as la cité des Tréfonds et il nous reste les gnomes de main de fer. Voilà. Bah faut qu'on aille soit faire le... Bah c'est quoi, juste à côté de la porte des basiliques où il faut trouver Seigneur de Pierre et fouiller les égouts pour tenter de retrouver Minsk. Allez, let's go. Moi je dis, c'était pas volontaire mais ça marche très bien quand même. Attends, mais là j'ai une quête, c'est genre visiter Barensko et aider les survivants de la sorcière. Ouais, je viens de voir qu'il y en avait ça aussi. Bah après on peut faire bas côté, on fait ça et après on va voir Minsk. Hein. Ouais, peut-être parce que ça doit être à clôturer rapidement, non? Bah normalement, surtout quand c'est fini. Mais je crois qu'on avait déjà la quête et qu'on pouvait rien y faire la dernière fois. Ah ouais? Il me semble. Bah je crois qu'on y est déjà allé. C'est où cette quête? Ah putain merde, je me suis pas TP. Ah oui, c'est là où on pouvait pas rentrer. Enfin oui, on avait pas l'accès. C'est aller à la gentilhommière Matoral, c'est ça? Ouais. Ouais mais non, mais ouais, on pouvait rien y faire. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'étage en fait. Il n'y avait pas de rez-de-chaussée? Si, mais en fait on y est déjà allé, mais il y a personne, ils sont déjà morts les mobs. Attends, on a peut-être fait bugger la quête parce que il y aurait pas une trappe cachée. Bah en fait le truc c'est comme on a fini la quête avant, peut-être que les gens sont plus là, tu vois, ou je sais pas. Bah... Ouais. Attends, c'est quoi? Comment elle s'appelle la quête? Sauver les rescapés de la sorcière, je pense. Ou aider les rescapés les survivants de la sorcière. Comment je la vois à l'étage là où je suis là. Mais... Nous avons trouvé un avis d'expulsion. Les gens qui logeaient à la gentilhommière Matoral se sont apparemment attirés les foudres d'une guenaude et le propriétaire les a expulsés afin de ne pas prendre le risque. Nous avons trouvé une affiche mentionnant une réunion pour les gens ayant été victimes des guenaudes. Elle est censée se tenir à la gentilhommière Matoral. Bah en gros ils se sont fait expulser mais du coup on sait pas où ils sont censés aller. Après il y a peut-être un truc à lire dans tous les papiers. Bah, ils sont à l'étage mais comment rejoindre l'étage? Marina on l'avait retrouvée donc c'est bizarre ça. Ouais ça a pu bugger hein, mais... Ah voilà ah. Qui c'est qui a fait quoi? Bah j'ai lu tous les papiers en fait. Bah voilà. Et là il faut aller où? À la maison du vieux Garlo. Bah comme quoi tu sais quand il y a un marqueur de quête c'est que généralement faut faire quelque chose hein. C'est fou, putain c'est dingue. C'est incroyable. Le dingue. Les potes sont passés. Dingue. Bah si mais justement on les a vus mais on n'a pas fait la quête en fait. Ah, j'ai pas fait moi la ville basse et je m'y dirige séance tenante. Allô. Je vous attends devant la maison. Ah mais faut aller à l'étage, on est déjà rentré. Non? Ah c'est pas là, pardon, c'est moi qui raconte des conneries, je suis pas du tout au bon endroit. Ah tu dis vraiment de la merde.
C'est incroyable. Ah ouais, je suis devant la maison. Oh là là. Ça va, c'est bon. Hein. On n'est pas déjà rentré là-dedans? Si, mais comme ça permet de clore la quête et bonjour, au revoir. Ah, non, moi ça me va, hein. Moi on a de quête à faire. Plus le journal de quête est vide, ou en tout cas rempli. Mieux, c'est ça. Vous voyez. Ah, et Fine Mall, normalement, on l'avait retrouvé, non? Ouais. On a trouvé des morceaux, non? Non, Mol, il est pas mort, je crois. Il est pas mort. Je sais plus. Incroyable. Pourquoi il y a un mec qui se cache, là? On va aller savoir. Savoir ou bien... Pardon. Moi j'aime bien parce que mon bonhomme il a quand même un aura de ténèbres, un aura de sang autour de lui, mais tout le monde s'en bat les couilles quoi, genre c'est un concept hein. Vas-y Katox, parle-leur. D'accord. Should you ever have a need of a cleric of Helm, I shall be there. You have my word. D'accord. Kledge can't believe you killed thee, Auntie Ethel. You're amazing. D'accord. Bon, ben voilà. Attends, je vais voir peut-être que... Une trappe en bois, on l'a déjà fait. Bah, ça aurait montré la trappe en bois. Cave du vieux machin, non, on était déjà passé. Au-dessus. Non bah après techniquement on a fini la quête, hein. c'est pas le souci, mais... A mon avis, comme on a explosé la guenaude sans jamais avoir même entendu parler de la guenaude, parce qu'on a, on est tombé dessus, oh, parce qu'on a tout fouillé. Tiens, un monstre, tuons-le. Ça, je vais essayer de piller le jatelot, peut-être que ça va déclencher un truc. Bah y'a une lettre dessus, hein. Attends, bah je prends la... J'ai vu ma trappe en bois. Et ils sont pas très couilles. Il suis allé, il y avait un coffre par contre là-bas, mais tu l'as déjà pris celui-là. Je lis la lettre. Ah. On peut pas fouiller dans le coffre. Attends, il faut que chacun leur parle. Voilà, moi je parle à la bonne femme là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle tous avec quelqu'un? Je te vois dans le fond. Attention. You have my word. Mais oui, mais on était déjà venu là-dedans. Après, y'a rien dans le coffre, hein. Je l'ai ouvert, il est vide. Oh, oui, on l'a déjà. Bon, bah, on se casse. Me connaissant, ouais. J'ai déjà dû l'ouvrir la dernière fois qu'on est venu, hein. On va pas se mentir. C'est pas impossible. Bon, du coup, on va dans la cité des tréfonds. Ouais, bah, du coup, égout de la cité, non? Bah, non, y'a. En termes de TP? Bah, la porte de Baldur, on a, puis on doit... on a un TP dans les égouts? Bon, on va pour les égouts de la cité. Hein. Je sais pas, hein. Bah, je regarde. Je sais pas où il nous amène, mais. Potentiellement. Ah, bah, vraiment dans la bonne direction. Bah, non, parce qu'en fait, là, on est dans les égouts de la cité, mais en fait, on doit ressortir pour rentrer dans une autre partie des égouts de la cité. Parce que là, c'est les égouts, mais il faut qu'on aille dans la cité. Ah, c'est de la ruine des cités de la, de la cité des Tréfonds, c'est ça? Non, même pas. Même pas. Attends. Cité des Tréfonds. Bah si c'est ça. Faut aller dans les ruines de la cité des Tréfonds. Ok. Mais pourquoi nous faire sortir là? Je veux pas moi. Et là faut aller au sud. Mais qu'est-ce que c'est truc? Le marqueur de quête il est là. Voilà. Bon moi je vais tenter de suivre le tout par par la surface, voir un peu ce que ça donne. Je vais causer aura. Ok. Écoute la ville basse, bah il se passe rien, c'est super, j'ai envie de canner. On est censé trouver un gars dans la cité des Tréfonds. Mais on a tout. Ah, il y a pas un truc avec. La fonderie de la garde d'acier, qu'on détruise la fonderie de la garde d'acier et qu'on aille à la maison du vieux Garlot. Non, mais la maison du vieux Garlot, c'est là où il y a les trois pégus là. Donc mais du coup, allé. Le seigneur de pierre et Minsk, etc., il faut qu'on réexplore tout le bousin ici. Bah je sais pas, déjà on est passé à côté avec Arda et il s'est rien passé. Moi bah, je suis dedans et c'est pas passé grand chose non. Mais t'es où? Juste ah oui à la porte des basiliques pour voir. Cité des Tréfonds, on est censé explorer la cité des Tréfonds. Donc, bon, refaisons le tour. Ah j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qui ont bugué hein, parce que je crois que la meuf Ulma là pour la quête de 1v1
du temple de Cazador, c'était, enfin du palace de Cazador, c'était la gueure qu'on a défoncée à la sortie. Pas mal de quêtes qui bug, je pense. Dommage. On va être obligé de refaire une partie. Oh non. Oh non. Oh. Attends, parce après, que. Je reprends dans Dark Urge, moi d'ailleurs. Un truc par là, mais ça on avait déjà fait tout ça. Régile, bureau de 9 doigts. Et si on allait reparler à 9 doigts? Ouais, ça me semble prometteur comme méthodologie. C'est pas par là. Par contre, on y va comment? Bon, elle était où 9 doigts? Oh non. Ouais? Non, mais elle coule pas, c'est moi. T'en écoules pas? Et non, c'est il coule pas, je suis pas malade. Ah bah attendez, oh, ah bah ça chance. Ouais, le rhume des foins, hein, vacherie. Ah ça, c'est les allergies ça. Surtout les... De toute façon maintenant tout le monde est allergique. Allergique à quoi là, on sait pas mais... Ah oui. Je suis allergique, je suis allergique à l'école, tu vois. Moi je suis allergique au travail, c'est possible ça? Ouais, il y a plein de petites pouches. Allergique à l'effort. Quand on me dit... Mais non, parce que après l'effort, le réconfort. Ouais mais moi c'est que c'est... Il vient après, pas avant. Mais on l'a pas déjà croisé elle? Bah si. C'est tout pété. Il parle à qui? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Quand la partie dure plus d'un an, c'est perdu. I thought you'd come to Baldur's Gate to finish the job you started. Je n'ai tourné le dos à personne. So tell me. Et Minsk n'est pas notre ennemi. The Stone Lord Minsk is the absolute enforcer in chief. Every piece of territory he takes from me goes to the cult. You are apparently the city's best chance of sending the absolute packing. So yeah, I need you alive. But know that I do not need or like anyone so much that I will let them cross me twice. You want to handle Minsk? Then handle him before I do. Ah bah super, merci des informations, madame. Ah ça aide. Ah ouais, ça aide fort, hein, là, on a fait le truc quai du bassin morphique, d'ailleurs. What can I do to help you? Bon, je vais me TP là-bas, voir un peu ce qui se passe. Le quai du bassin morphique, c'est pas là où il y avait un monstre un peu bizarre à aller buter? Mais des racrans, en tout cas, il y en a partout. Allez, je te rejoins. Ouais, dis donc, elle commence à menacer, la meuf. Sérieux? Ah ouais? Elle m'a dit que si on essayait d'aider encore plus ça, la guilde pourrait avoir un intérêt spécial pour moi. On va J'aime pas trop ça. Bon, on les bute tous. Vous avez fait toutes les quêtes du jeu? Bah, le problème c'est que tous les PNJ étaient morts, alors du coup, on a eu mal. Bah, tu veux pas, t'as fait toutes les quêtes, tous les PNJ sont morts. Pas de PNJ, pas de quête. Comment tu fais le 100% dans Baldur's Gate? Tu tues tout le monde. Ça fait un gros meurtre. Ça s'appelle robot. Le 100% mais S-A-N-G. C'est ça. Le bec dans l'eau, hein, j'ai envie de dire. C'est là, œil c'est... pour œil 100%, c'est ça? Oh, il y a une gueule. Un quoi? Deux. Trois. Soleil. J'ai gagné. Ouh. Je n'ai pas prêt, tu pourrais jeter des pierres. Bon, j'ai fait toute la map du début à la fin, ça m'a pas trigger le truc. Hein. Ah, enfin, j'ai trouvé mal! T'as trouvé le qui? Oui, j'ai trouvé mal. Ah oui, très très... Est-ce que je parle à molle? Vas-y, parle à molle. Je parle à molle. Bonjour molle. Putain, mais incroyable! On a fait une quête! Oh, elle a retrouvé son œil. Fartic. Parce qu'elle a retrouvé son nous oeil, sommes good. Entrés dans les égouts, le seigneur de pierre doit être là quelque part. Donc c'est vraiment dans les égouts, il y a juste un endroit où on n'a pas dû aller. Hein. Ouais, ou alors il y a un endroit où en fait on a tout défoncé et en fait il y est, il vient d'y apparaître. Bah je pense que c'est ça. En gros, soit on a tout à gauche de la map, parce que c'est un cul-de-sac. Soit on a moi ici, là où j'ai mis un repère tout à droite là. J'en profite pour j'ai pas découvert cette partie-là de la carte, donc je sais pas si vous y êtes allé, mais d'après les petits traits là, on dirait qu'on peut y aller. Ouais, effectivement. Et sinon, peut-être que Là en fait, hein, pour moi, je suis navré, mais
ça. Je suis une affreuse, alors je suis désolé. Totalement à gauche. Totalement à gauche. Ça semble bien, hein, le bout, là. Ça ressemble bien à une baston de boss. Mais par problème, c'est qu'ils ont dit qu'il était dans la ruine de la cité de Tréfonds. Bah, après, là où t'es, y avait pas un bac qu'on pouvait prendre ? Si, mais t'as l'empereur qui dit qu'on n'est pas prêt. Il faut toutes les pierres. Ah. Oui, bah c'est la fin du jeu, hein. Je vais pas vous mentir, cette zone-là, donc... Très bien, d'accord. N'y allons pas, donc. Bon, bah, je vais aller à mon repère, voir un peu ce qui traîne par là. Voilà, je vais vous faire gagner quand même un petit peu de temps. Mais toi, tu sais où il est, en plus, Minsk ? Hein ? Moi ? Non, j'ai oublié. Vraiment, là, je déconne pas, je sais pas où il est. C'est pratique, pour un moment où tu pouvais être utile, et ben non. Bah, super. Eh bah ben non. Des fois je pouvais être utile. Oh le salaud. C'est honteux d'entendre des choses pareilles. Moi je me casse, je vais manger mon cassoulet. Bah t'as bien raison. Ouais, parce que mais oui. Il va manger un cassoulet parce que pour ce cas il nous a saoulé. Allez. Ah, ta perception. Ouais, bah ça c'est. Est-ce que finalement c'est pas la nouvelle c'est le. T'as level up en dad joke quoi. Ah oui, ah bah hey, c'est niveau 2 maintenant. Attention. Je suis Timothée. J'ai sacrifié heure de sommeil pour gagner humour de merde. Je sais pas si c'était un. Je sais pas si c'était un bon sacrifice. Hey, y a une calice. Le Pokémon Katox oublie sommeil réparateur pour gagner dad jokes niveau 2. Ah mais y a un trou là. Hein. Allô. Ouais. Il y a une cape ici, pendant que vous cachez le nombre que vous avez besoin pour faire un critique, qui est réduit de 1. Qui c'est qui avait raison ? C'est moi qui avais raison. Il vient d'apparaître là où on avait déjà tout buté. Il y a une cape là, si tu le caches, et ben tu peux réduire le nombre de... Max avait raison, il a trouvé Minsk. Après si vous avez rien à foutre... Mais j'ai trouvé Minsk. Est-ce que si personne te répond, ça veut dire qu'on en a rien à foutre ? Je pense hein. C'est con parce qu'il y a des objets de. Il y a des objets de voleurs. Allez, je me casse. Excuse. J'ai raccroché avec tes mains. Hein. Excuse-nous, on va spécifier. Ah vas-y, c'est on bon, j'arrive, 2 secondes. Non. Je viens de gagner 75 PO en prenant une échelle. Je vais la reprendre en boucle, je pense. C'était quoi les autres objets, Katox ? Mignon ? Il y avait une cape qui te permettait quand t'étais caché de réduire de 1 le nombre pour faire des critiques. Ouais. Et l'autre, t'avais plein de tip tools qui traînaient dans la. Bah, dans les marchands de la guilde des voleurs. C'est fou. Ah, bon, vas-y, je vais les choper. Et donc, il faut aller à. Qu'est-ce que Bah, faut aller là où ils sont, mais c'est loin, alors j'ai la flemme. Alors, arriver en fufu, si possible. Parce que nous, on est dans la baston. Ah, vous êtes en combat ? Ah, vous êtes. Ah, mais oui, c'est vrai que c'était là-bas. Moi, j'étais dans les marchands de la guilde des voleurs, là. Eh bah, tu peux acheter des crochets. Non, mais il y a combat, je vais me TP, ça ira plus vite. Faire une des tréfonds et tu te ramènes. Si je ferme la porte, tu penses que ça ira ? Ah non, j'ai appuyé sur une flèche directionnelle, putain, c'est vrai qu'on peut pas. Chut ! Oh, c'est coincé. T'es en combat, ils sont où les mobs ? Là où on a déjà battu des. C'est ça. Ah mais oui, c'est les changeurs de forme là. Mais comme on avait tout buté en fait, en fait il y a que eux. Ah trop bien. Ta ta la ta ta. À travers les plaines. À travers les égouts. Ouais, et il y a on... Jaera. Ah mais il y a ça. La pute. Elle est méchante, elle est en combat avec nous. Comment ça la pute? Mais je pense que c'était notre pote et maintenant elle est méchante, c'est donc devenu. Ah non mais c'est une change forme. En gros c'est à dire que si on la bute d'abord. Minsk qui va se dire, oh mon dieu, je me fais avoir. Oh non. Là, je suis en combat. Ouais, il y a écrit Jaera, entre parenthèses, c'est Jaera. Ouais, et entre, là, vous ne voyez guillemets. Pas, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes mains. Pas des parenthèses, c'est des guillemets. Oui, mais c'est un. C'est un nain, donc au bout d'un moment, tout se ressemble. Tatatata à Rouen, c'est ça que t'as dit ? Oui, tout à fait. C'était mon argumentaire. Voilà, c'est bonjour. Allez, hein, Ichbin la nuit, hein. Bah, Ichbin la nuit. T'imagines si t'avais une carte. Non, Ichbin la nuit, Ichbin la nuit. Ah, ah, j'ai été la nuit pendant un moment quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, vas-y, ouais, vas-y, repousse en arrière. Là, faut pas le tuer, hein. Oh, mais moi, je suis loin. Attends. T'inquiète, il va se rapprocher. Si je fais. Oh, ouais, je peux tuer Minsk. Non. Non, non, on veut entendre Matthew Mercer discuter. Mais il est nul, le perso. Ah mais il y en a plusieurs déjà. Ah non, il y en a qu'une. Ok. J'ai cru qu'il y en avait plusieurs déjà. L'autre, elle lui ressemble, c'est sa jumelle démoniaque. Ouais,
pour ça qu'elle est entre guillemets. Ah, Zentarim, leader en plus, boss Friol. Si, elle est ça. Mais pourquoi tu m'as TP? Mais comme ça, tu pourras défoncer Jaira. Ah bon, d'accord. C'est d'accord. J'accepte sans venger. Et puis... À travers les plaies. Moi j'ai vraiment été trop loin. J'ai ça dans la tête. T'aurais pas pu me TP moi. C'était trop loin. Et c'est moi qu'on va taper. Peut-être tu t'es placé pour que ça se... Incroyable, c'est toi qu'on tape au cac. Bon, Jaira. Écoute-moi bien. Let's go. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite. Le plus grand plaisir de prendre ça dans la mouille. Merci. Ensuite, ça c'est cadeau. Voilà. Et ensuite, ça c'est cadeau. Pourquoi le terreau à chaque fois? Ah, bah je sais pas pourquoi je lui ai fait mal à la meuf d'à côté, mais. Non, ça c'était moi ça. Ah, pardon. Tu appuies sur qui elle est où Tu vas la finir, je suppose, Jaira. Tu veux qu'on te la laisse? Allô? Ah non, ça bug. Celui a terminé. Allô? On entend ou pas? Oui, on entend. C'est à Temir qu'on n'entend pas. D'accord, bon, bah, je la tue. Alors, je la tue. Ah. Et là, normalement, là, il y a Minsk qui fait « Oh mon dieu, je me fais avoir ». Mibic. Il est vachement plus con que ce que je pensais. Ouais, c'est Minsk hein. Certes, mais quand même. Excusez-moi, un incident diplomatique de téléphone, tout va bien. Je rappellerai à la pause. Oh, c'est j'ai loupé quoi? Bah je te demandais si je pouvais finir Jaira ou pas pour voir la comment dire la stratégie de Katox, mais j'ai pas eu réponse donc je l'ai tué et ça n'a pas marché. Et ton truc a droit à caster à tes gants et tu peux les utiliser à chaque tour ou pas, Katox? Non, c'est à chaque court repos. Ah ouais, ça va vraiment de la merde. Bon, en vérité, ça va. Hein. Bah, non, ça va, dommage, tu t'en sers pour un combat et puis après. Ça y est, dès que t'es pas OP, ça devient de la merde. De toute façon, franchement, t'imagines, les gants, ça aurait été valable pour chaque tour pour le. Je l'ai pas tué, pour le Warlock, ça aurait été trop bien quoi. Oui, ça c'est clair. Surtout comme j'ai 22 de charisme. Ah, allez, elle était. Elle était là, vite. Tu elle était gentille. 45. Encore? Je vais le tuer là. Après, bah, non, mais mets-toi en létal. Oh! Elle avait 10k sur elle, incroyable. Bah oui, bah, c'est là. Against the darkness swarming, his senses a single light glows. Rage. C'était vraiment bidon. Get rid of him. À travers les plaines. Ça va, j'ai changé du Dabou Dabé, Dabou Daba, Mibabi. Dabou. Non, mais tu fais pas Mathieu Mercer. Tu ne tues pas Mathieu. Non, tu ne fais pas un effet Mercer sur Baldur's Gate. Et c'est pour son bien. Mais non. Il est très gentil, Mathieu Mercer. Bon, c'est le arg le moins convaincant du monde, mais. Vous avez raison. C'est voilà, mais voilà, mais c'est. Bah oui. Ah non, t'as plus 4 en intimidation, quoi. Faut pas déconner. Tu es franche que vous. C'est moi qui commande. Voilà, ouais, mais. Ah non, je vois pas le G. C'est moi qui commande, mais après, on peut se mettre d'accord. On peut discuter peut-être. Nous massacrerons jusqu'au dernier. Putain. Ah oh ouais, je relance le dé ou pas? Il nous reste une inspire. Vas-y. Il nous reste une inspire. Mais vas-y. Vas-y, vas-y. Let's go. Vas-y, 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 va. Tu feras ce que je te dis. You do as I say. Ouais. C'est moi qui commande. Et ouais.
beneath yours, a still lake pulls you down into its depths. Images flash by, battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jahira, you killed her! Ah, oh, j'aime bien celle-là. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. What else? In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. Oh, il a une tête, je crois qu'il va trouver une pelle. Il y aurait plus une tête de mec mort cérébralement. You saved Minsk. While he danced like a mind flayer's meat puppet. Why? Oh, c'est Matthew Mercer dans notre partie. C'est tellement beau. Ce fanboying. Ouais, moi aussi je me pose la question. Hein. Ah non. Ah, je suis en plus, je suis à jour sur les épisodes là. Grosse dinguerie hein, dans le dernier. Ah ouais, moi j'ai lâché l'affaire. Vraiment la saison 3, campagne 3, je la trouvais nulle. Oh là, on en a déjà parlé. Mais là, le dernier épisode, dinguerie. Un combat de plus de 2h30. Mais ça se dirige vers la fin ou. Ah bah là, là ils sont sur la lune et tout là. Oui, non, mais ça je le sais. Ça je le sais qu'ils sont allés sur la lune. Mais justement, enfin. Ah, il va ouvrir le mur. Ah, il a ouvert le mur. Comment tout est amené, vraiment, c'est... moi je suis vraiment pas fan. Donc je regarderai probablement à la fin pour voir comment se termine l'histoire, mais. Je suis pas transporté comme dans la saison 2 et j'ai pu l'être sur la 1. Ce qui fuit. Ah, il avait oublié dans quel mur c'était. Ah, moi j'ai ni quoi. My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. D'accord, d'accord. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Oh, such boundless compassion! You are all heart and whiskers. And cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. Il est trop mignon. Meet you. No, it is a hamster. Oh putain. A mini giant space hamster.
Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half, and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you, and cleanse Baldur's Gate of evil. Together! Attachez bien votre angle. Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. J'adore! Et pourquoi tu l'aimes pas ce personnage du coup, Weird Mec? Parce que c'est comme, comment il s'appelle, merde le druide, ils ont pas du tout développé les persos comme ils ont pu développer les autres et... Bah il arrive trop tard lui pour qu'on le développe. Bah il arrive tard c'est une chose, mais c'est surtout que, enfin ils ont essayé de faire un truc, moi j'ai trouvé que t'avais pas d'empathie qui se développait comme avec les autres persos, donc même si tu vois effectivement sur le court terme... Après c'est du full fan service hein, notre ami Minsk. Ah ouais, ouais mais c'est pour ça, mais autant tu vois, bah, Jaira c'est pareil, c'est du fan service pour ceux qui avaient joué au 1 et 2, mais... Enfin, elle est dans le 1 et 2 Jaira ? Ouais. Au moins dans le 2, mais dans le 1 sûr. Aussi je crois. Ah dans le... Ouais, je sais pas, dans le 1, moi pareil, Imoen et Minsk, je t'avoue... Non et le... comment il s'appelle là, le mage... Le mage complètement taré là. À part cette fois là, je me souviens plus. Je sais pas, mais enfin, vu que moi j'avais pas joué à Baldur's Gate 1 et 2, bon, ça va pas changer la vie. Mais enfin, les deux persos, vraiment, autant Jaira, j'étais là, ouais, ok, d'accord, il y a un truc cool. Autant lui, bon, par le côté rigolo parce que c'est un 2-2. Ouais. Du coup, on se TP où ? La porte de Baldur. Parce que je vois qu'on a encore détruire la fonderie de la garde d'acier. Là, on a retourné chez les voleurs pour parce qu'ils préparent les Zendarim préparent EQ. Ah oui, c'est vrai. Les voleurs, c'est bureau des 9 doigts là. Ouais, c'était là où on était. Ok. Ça fait combien de temps sur votre épisode, les petits choux? 58 minutes, c'est exactement le moment où il faut s'arrêter. Ça m'arrange. Je vais pas vous cacher. Faut que je rappelle des gens. Ah bah, j'en profite pour commencer mon repas. Alors. Bah, on va reprendre. On sera juste en face de 9 doigts et ce sera très bien. Ouais. On vous fait des bisous à la prochaine. Des bisous à la prochaine. A plus les petits choux. Salut. Les petits loups.